mais l'orthographe au 32. Donc aujourd'hui, on voit peu. Peu. Et peu. Donc ce peu-là, c'est le contraire de beaucoup. Donc il mange peu, on pourrait dire il mange beaucoup, c'est son contraire. Ensuite, peu et peu, c'est le verbe pouvoir. Je peux faire ça, tu peux faire ça. Donc peu avec un X, avec je et tu, et peu ici, c'est il, elle, on. Donc voilà pour peu, peu, peu. Ensuite, vous avez prêt et prêt. Donc prêt et prêt. Donc ici, c'est près de quelque chose, le contraire, c'est loin de quelque chose. Donc prêt, le contraire, c'est loin. Et celui-ci, il est prêt à venir, on peut l'accorder. Donc, vous ferez attention dans les exercices parce qu'on peut l'accorder. Elle est prête à venir. C'est comme ça qu'on va y arriver, hein, avec l'accord. Et du coup, on entend le T. Il est prêt à venir, elle est prête à venir. Et ce prêt-là, attention, les accents changent aussi, hein. Il y a le S et l'accent qui change. Ce prêt-là, c'est le contraire de loin. Ensuite, il y a plutôt et plutôt. Avec deux mots. Donc ce plutôt-là, ça, c'est il préfère plutôt manger des légumes plutôt que de la viande. Donc c'est il préfère, c'est égal à il préfère. Il préfère manger des légumes que de la viande, plutôt. Et plutôt comme ça, en deux mots, c'est le contraire de plus tard. Il devait venir me chercher plus tôt, il devait me chercher plus tard. Donc en deux mots. Donc ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et bien sûr, on ne confond toujours pas avec plutôt le petit chien hein, de Mickey, qui s'écrit comme ça. Voilà. Donc pour la leçon au 32, comment choisir entre peu, 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 près, près et plutôt, plutôt? Donc, peu, P-E-U, c'est un adverbe de qualité. Et le contraire de beaucoup. Il mange peu, il mange beaucoup. Ensuite, il y a peu, P-E-U-X ou peu, P-E-U-T, qui sont le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, etc. Peuvent se conjuguer, je pouvais et il pouvait, pour pas se tromper. Donc, je peux jouer, P-E-U-X, tu peux jouer, P-E-U-X, et il peut jouer, P-E-U-T. Ensuite, il y a près de, qui est donc une préposition. Et c'est le contraire de loin de. Il habite près d'ici, donc PRE accent grave S. Il habite loin d'ici, on peut le remplacer. Près PRE accent circonflexe T, c'est un adjectif qualificatif qui peut se mettre au féminin. Il est prêt à venir, elle est prête à venir. Ensuite, on a plutôt, donc attention, plus PLUS et plus loin tôt, TO accent circonflexe T, c'est une locution adverbiale puisqu'il y a deux adverbes, donc une locution, et le contraire de plus tard. En semaine, il se lève plus tôt, le week-end, il se lève plus tard, c'est donc deux mots différents. Et plutôt tout collé, PLUTO accent circonflexe T, c'est un adverbe et il marque la préférence. Elle achète plutôt des roses que des tulipes. Elle préfère acheter des roses que des tulipes. C'est donc la préférence. Il aime manger plutôt des frites que du chou-fleur. C'est un peu ça. Alors bien sûr, tout ça, c'est pas à confondre avec plutôt le chien de Mickey, hein, qui s'écrit PLUTO, avec toujours une majuscule. C'est un nom propre. Voilà. Donc ouais, comment choisir entre peu, 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 près, près, plutôt, plutôt, donc dans les exercices. Donc premier exercice, on vous demande de remplir avec tous les mots. Donc on lit bien la phrase pour comprendre le sens. Hein. Et on remplit donc avec tous ces mots. Dans de temps, l'arbitre sifflera la fin du match. Anna doit redoubler le CM2, elle ne pas passer en sixième. Il est arrivé que prévu. Je suis à partir. Tu te presses à manger des fruits mûrs, ils sont meilleurs. Ensuite, même exercice.
Emma est bavarde, n'approche pas trop du feu, tu te brûler. Que de dire n'importe quoi, réfléchis. L'avion est a atterri. Les hôtesses sont à donner des consignes de sécurité. On aurait pu me donner cette information. Dans l'exercice 3, il faut écrire les contraires des mots soulignés. Donc, il suit de loin les événements, ça va devenir de. Chaque jour, le soleil se couche un peu plus tard. Donc, le contraire. Il y a beaucoup de vent sur cette côte. Romain a besoin de lunettes, il voit mal de loin. Cette année, beaucoup d'enfants entrent au collège. Le défilé débutera plus tard que prévu. Donc, on ne met que le mot contraire, hein, que ce qui est souligné en contraire. Merci. Donc, je corrige. Dans peu de temps, l'arbitre sifflera la fin du match. Anna doit redoubler le CM2, elle ne peut pas passer en sixième. Il est arrivé plus tôt que prévu. Donc, plus tôt en deux morceaux. Je suis prêt à partir. Plus tôt, pardon, en deux mots. Tu te presses un peu. Manger des fruits. Manger plutôt collé, donc des fruits mûrs, ils sont meilleurs. Voilà pour l'exercice 1. Pour l'exercice 2, Emma est peu bavarde ou plutôt bavarde. Là, pour le coup, on peut mettre les deux. N'approche pas trop près du feu, donc pas trop loin, le contraire, hein. N'approche pas trop près du feu, tu peux te brûler. Donc, c'est le verbe pouvoir avec tu, PEX. Donc, plutôt tout coller que de dire n'importe quoi, réfléchis. L'avion est prêt à atterrir. Attention, les hôtesses sont prêtes à donner les consignes de sécurité, mais comme ce sont les hôtesses et qu'il y a son, donc le verbe être juste avant, prête, ça reste on l'accorde. Donc, prête, ça finit par ES à cause des hôtesses. C'est les hôtesses qui sont prêtes. Donc l'avion est prêt, bah, ça s'accorde donc avec l'avion, donc on ne change pas. Par contre, les hôtesses sont prêtes, là on l'accorde avec hôtesse, donc ES, on fait attention. On aurait dû me donner cette information plus tôt. Donc le contraire de plus tard, donc plus loin, tôt. Donc il suit de loin les événements, il suit de près, c'est le contraire. Chaque jour, le soleil se couche un peu plus tard, un peu plus tôt. Il y a beaucoup de vent sur cette côte, il y a peu de vent. Romain a besoin de lunettes, il voit mal de loin. Donc près, il voit mal de près. Cette année, beaucoup d'enfants entrent au collège. Cette année, peu d'enfants entrent au collège. Le défilé débutera plus tard que prévu. Le défilé débutera plus tôt que prévu en deux mots. Voilà pour les exercices, merci.